Bonjour la famille, la famille, la famille. Bonjour les fans. Bonjour. Non, bonjour, bonjour. Moi, je suis même où là, même dans quel monde là? On dit bonsoir. Normalement, c'est bonsoir que je devrais dire parce que normalement, nous sommes en plein soir. Bonsoir la Révolution, bonsoir les Amazones, bonsoir. Tout le monde qui est pour le positif, bonsoir pour tous les fans, bonsoir ceux qui adorent les teens, bonsoir le Cameroun, bonsoir la diaspora, évidemment, et bonsoir à tout le monde qui kiffe le monde, parce que le but ici c'est la paix, c'est ceux qui s'aiment, c'est ceux qui n'ont pas de préjugés, c'est ceux qui... voilà. Bonsoir à vous. Mais avant, non, okay, on parle beaucoup un tout petit peu là. On va être ici aujourd'hui en Bamenda. Yesh, le goût de ça! On est en Bamenda aujourd'hui là. Vous voyez un peu, non? L'affaire là, même là que là. On rentre aux sources. Aro sofa nobi sumol. Hey, everything is not good at Toko. I'm in a Cameroonian girl. National power, nami geta. National stadium, nami geta. I am the winner. I'm Cameroonian girl. Voilà. J'espère que peut-être le petit morceau vous a plu. J'ai essayer de faire un petit a cappella comme ça de quelque chose que j'ai créé vite fait comme ça là. Donc voilà. Connectez-vous, partagez, 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 partagez. J'ai déjà une erreur. Je lance le direct tellement je suis dans l'empressement et tout. Je n'ai pas mis un contenu là-dessus. Je n'ai pas dit le pourquoi on est là. Je n'ai pas dit le pourquoi je vais parler. Je n'ai pas dit le pourquoi. Voilà. Déjà, je suis content. Je suis rétabli. Je suis guérie. Le goût de ça. J'étais très malade. Hein? Donc, si vous avez vu mon absence durant un bon bout, c'est que vraiment la maladie m'a terrassée. Maintenant, je suis de retour. Je suis présente parmi vous. Je suis en forme. Et on remercie l'Éternel Dieu qui a bien permis mon bon rétablissement. Et voilà, ça fait des années, plus de 10 ans que j'ai pas été malade comme ça. Donc, du coup, j'ai été bouleversée on appelle ça quoi, la grippe. Avant, moi, je savais pas la grippe. Moi, je croyais que quand on disait souvent que ton nez coule là, que c'est la grippe. Ce n'était pas la grippe, la vraie grippe m'a prise, mes frères. Celui qui ne connaît pas la grippe, qui n'entre pas dans le code, je vous dis la vérité. La grippe, là, faites attention aussi, parce que l'épidémie est un peu de partout. Il est bien beau, bientôt, on est déjà presque, déjà en été là, ça veut dire que c'est passé. Mais en réalité, la grippe, nous, on a l'habitude de dire que quand le nez coule, on a la grippe. Quand peut-être tu tousses, tu as la grippe. Quand tu attrapes un petit froid, tu as la grippe. C'est pas ça la grippe. Quand tu as la vraie grippe là, mon frère, tu ne manges pas, tu as la diarrhée, tu as froid, comme si tu as le palu. C'est même un coup qu'il faudrait donner à beaucoup de personnes pour qu'ils puissent savoir de quoi il est question. Sinon, à défaut, quand tu ne connais pas la réalité, tu peux te dire que oui, tu as chopé un truc bizarre. Heureusement, voilà, il y avait les docteurs qui me suivaient. Ils sont même venus jusqu'à la maison. Ils m'ont fait comprendre que je n'avais pas le droit de prendre quelque chose. Ça allait passer tout seul. Et réellement, c'est passé tout seul. La twin, c'est maintenant parmi vous. Elle est guérie. Elle n'a plus rien. Bon, voilà. Et puis, du coup, j'ai été guérie. Et puis, du coup, il y avait les vacances parce qu'il fallait que je puisse prendre mes heures supplémentaires où je devais régler des trucs très, 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 très importants qui émanaient, voilà, des trucs pour la vie. Sinon, après, la vie ne bouge pas et puis on reste statique. Est-ce que vous pouvez partager alors le direct? Partagez là très, très, très vite parce que là, il faut qu'on grimpe. Il faut qu'on grimpe. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est vous parler. C'est pour enseigner d'abord les mamans. C'est pour enseigner la jeune fille camerounaise, africaine.
C'est pour nous enseigner, en fait, afin qu'on puisse comprendre, qu'on ne puisse plus aller dans le tas, qu'on ne puisse plus bavarder dans l'amalgame de tout, qu'on ne puisse plus avoir, pardon, je vous en supplie, les discussions des bars des quartiers, là, ça ne paye pas. Donc, c'est pourquoi je me permets de venir auprès de vous ce soir pour... on va parler du 8 mars. Vous avez cru que non, la thune, vous avez laissé, non. On va parler du 8 mars. Et pour parler du 8 mars, on va faire un enseignement là-dessus. Afin que la femme, la jeune femme, l'Africaine, puisse comprendre de quoi il est question. Et avant même toute chose, ne venez pas me dire ici que je suis maigre. Je sais que je suis déjà maigre. Je sais que j'ai maigri parce que j'étais malade. Non, si quelqu'un va venir là pour m'insulter, je le bloque. Ping, pang. J'espère que vous avez compris, oh. I hope you hear me this night. If someone come here to say to me, waha, pourquoi tu es bizarre comme ça? Pourquoi tu es laid comme ça? Pourquoi tu as maigri comme ça? Je te bloque. Parce que la thune, c'était malade. I was very, very, very sick. Now I'm a little bit good. Je suis un peu bien maintenant. Non, si quelqu'un va venir dire là, pourquoi, je te bloque. Parce que parfois là, avant de faire d'abord vos machins là, quand vous voyez quelqu'un, il n'est pas présent depuis, vous savez que la personne était toujours présente. Posez-vous des questions et ne vous posez pas de questions à contre-sens. Parce que j'ai tout écouté. J'ai vu même les inbox que je n'ai jamais vu dans ma vie. Donc ça veut dire que si dans la vie, si quelqu'un ne vous dit pas quelque chose, ça veut dire qu'il est contre vous. Ya! Yeah! Non, si dans la vie, si quelqu'un ne parle pas, ça veut dire qu'il y a des problèmes avec l'autre. Ya! Yeah! On vous avait même fait quoi, vous, là? Non, dans la vie, si là, parce que tout ce qui est en train de se passer dans les réseaux sociaux, maintenant, la telle qu'on a la tête avec l'autre, telle est en train de dire que l'autre a dit que telle est en train de faire, que telle est en train de démissionner, là, que c'est de monter, c'est de ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, moi, la tuile, c'est là, je peux aussi rester calme. Naha ou non, people. Ah, il sait que tu es en train de joke. Boucan, boucan, papy. Même rien que ton commentaire, même là, m'a fatigué. Je ne peux plus te bloquer. Je ne peux plus te bloquer. Donc, même si c'est vraiment le. Même si c'est pas le commentaire de la Sardinavie, papa, reste seulement. Papa n'a dit waouh, c'est toi seulement, reste seulement là. C'est le direct même là, c'est pour toi. Reste une fois, il ne te bloque plus. Mais Nari, la zone comme c'est là, ça reste comme c'est là. Non. Tu m'as fatigué. Hey, je te rends mes mains. I give you my hand. You are bad. Bad wow. Ok. Donc voilà. Sachez que, entre parenthèses, moi je n'ai aucun problème avec. Personne. Si mon calme vous a peut-être, ou bien ma disparition vous a peut-être fait flipper, ça n'a rien à voir avec personne, ni avec même ce qui se passe sur le net actuellement. Je suis saine, je suis sereine, je suis tranquille, je n'ai pas de problème. Donc, voilà, ne croyez pas que peut-être, voilà, mon direct aujourd'hui, c'est pour un lynchage ou bien non. Vous savez que dans une famille, il y a toujours un mauvais grain quelque part qui passe. Il y a toujours une mauvaise foudre quelque part qui passe, mais ça ne veut pas autant dire qu'on n'est pas des frères, qu'on n'est pas des sœurs, qu'on est là pour diviser ou bien qu'on est là pour détruire. Non, 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 détrompez-vous. Et faites gaffe souvent à des personnes que vous lynchez. Faites très, 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 très gaffe. Parce que moi, peut-être vu que je parle beaucoup, 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 mais je sais aussi beaucoup me taire. Et quand je parle réellement, moi, je parle toujours en conséquence de cause. Moi, je ne parle pas dans le tas. Je parle dans le tas lorsqu'il faut instruire, lorsqu'il faut pour un bon avancement. Mais je ne parle pas le tas pour parler dans le tas. J'observe beaucoup et je suis une partisante de paix absolue. Je suis quelqu'un qui prône le bien-être. Et quand l'Africain, surtout principalement le Camerounais, va comprendre que ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, marchons à demain, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin.
Ensemble, tenons-nous la main. Partagez le direct. Ensemble, tenons-nous la main. Tenons-nous la main. Ensemble, passons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, est-ce que vous comprenez, mes frères? Est-ce que vous comprenez la signification de cette chanson? Est-ce que vous comprenez même vraiment ce que ça veut dire? Non. Là n'est plus au Congo ça. Là n'est plus au top. Là n'est plus au bruit. Là n'est plus aux distractions. Là n'est plus. Il y a tellement de choses à faire. Est-ce que vous vous rendez même compte? Que parfois même vous êtes en train de taper même le Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, passons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, tenons-nous la main. Tenons-nous la main. Ensemble, passons à demain. Passons à demain, Calibri. Ensemble, nous irons très loin. Nous irons très loin, mes frères. Ensemble, tenons-nous la main. S'il vous plaît, écoutez le message. Ensemble, tenons-nous la main. Tenons-nous la main, s'il vous plaît. Ensemble, passons à demain, aux générations futures. Ensemble, nous irons très loin. Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, tenons-nous la main. J'espère que ça va te toucher. Ensemble, pensons à demain. J'espère que tu comprendras que l'heure n'est plus aux magouilles. Que l'heure n'est plus à qui a dit quoi ou qui a dit qui. Parfois, apprenons à écouter et passons dessus. Parce qu'il y a tellement de faux problèmes que parfois ça te déconcentre de toute réalité. Et quand ça ne va pas, mon frère, ma soeur, retire-toi, mets-toi sur le côté pour mieux observer. Ne dis rien, pas impulsivité. Ne parle pas pour ne rien dire. Ne te fâche même pas pour que l'ennemi ne comprenne et ne voie ta faille. S'il vous plaît, on doit avancer. S'il vous plaît, ne donnons pas l'occasion au plus faible, qui est faible aujourd'hui, de croire qu'il est fort. Il n'a jamais été fort. S'il vous plaît. Je vais rechanter ça une fois pour tout. Parce que celui qui avait créé cette chanson, il n'était pas fou. Le jour où il chantait ça, aujourd'hui on peut se mettre, on fait des forums, on fait des associations, on fait des gros groupements en chantant cette chanson. Parce que ça a un message puissant. Et parce que cette personne avait compris que le jour où on va se prendre la main dans la main, on aurait gagné le combat. C'est là où vous allez comprendre qu'il n'y a même pas de tribalisme. Parce qu'on était en train de vous enseigner un truc. Le tribalisme, c'est quand là, c'est hors de nos frontières. Combien de fois je veux vous dire ça? Hors de nos frontières, des 475 000 mètres carrés là. Parce que c'est 475, 400, je ne sais pas quoi après là. Après, elle vient me parler, elle va te dire que oui, papa, c'est vrai. Oh, ça attaque, ça a cuit. Cuit jusqu'à attaque. Partagez le direct, si, parce que la tuile, ça a dit. Moi, j'ai dit que là, j'ai à dire. Et ce que j'ai à dire là. Ne va pas passer. On va rentrer dans le traditionnel. On va rentrer dans nos sources là. On sera les mamazinga. C'est le jour là où on va comprendre. Est-ce que vous savez même que l'heure est tellement grave que même vos prénoms quand vous vous appelez là, vous devez changer. On a tellement travaillé. Vous ne savez même pas. Hein?
On a enlevé des puissances en vous que vous ne connaissez même pas. Hein? Moi, je ne vais plus. À un moment là, moi, je vais même seulement changer. Vous n'allez plus. Vous, je vais seulement m'appeler comme Guifort. Oui. La force de ça. L'heure est à changer tout. Reprendre notre identité personnelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes encore là-haut, je ne sais même pas quoi. Hein. Peut-être parce que les cuisses ne parlent pas depuis, parce qu'on se tient depuis là. Vous croyez que non, c'est monté, que c'est descendu. Il y a tellement de choses à boycotter. Il y a tellement de choses à changer. Il y a tellement de comportements à... Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, passons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, tenons-nous la main, oui, tenons-nous la main, ensemble, pensons à demain, pensons à demain, ensemble, nous irons très loin, nous irons très loin, ensemble, tenons-nous la main. Apprenons à être un, apprenons à être unis, apprenons à penser à autrui, apprenons à avoir de l'empathie pour l'autre. Apprenons à avancer dans le même sens. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous comprendre. Apprenons à nous apprécier les uns les autres. Apprenons à nous apprendre nous-mêmes. Parce que mes frères, si toi-même tu ne te connais même pas d'abord, comment tu vas connaître l'autre? Si toi-même, tu n'arrives pas à accepter la réalité, tu n'arrives pas à accepter ce qui devrait être, comment tu pourras enseigner certaines personnes? Si toi-même, tu n'arrives pas à être un exemple, comment? Comment? Je demandais, comment tu pourras réclamer? Comment tu pourras accepter le changement? Comment tu pourras même demander que tu veux un changement quand tu acceptes que la bêtise s'installe en toi? Je vous pose une question et que cette question-là vous fasse réfléchir. Je vais revenir par-dessus dans les prochains jours à vous poser encore cette question pour que vous puissiez répondre. Un combattant se doit d'être irréprochable. Un combattant se doit. Je ne veux pas entendre que vous êtes à deux. Si vous montez, descendu là, il faut d'abord jeter la pierre. Si toi, tu n'as jamais jeté la pierre, jette la pierre sur l'autre. Alors que c'est ce que vous-même, vous êtes en train de demander aux autres. C'est ce que vous êtes même vous-même là en train de dire qu'il ne faut pas que les autres vous fassent. Vous croyez que quoi? Ce gouvernement n'a pas fait les bonnes choses. Il a bien sûr aussi fait des bonnes choses comme il a fait des mauvaises choses. Il a recadré comme il est aussi en train de détruire à un certain moment. Un combattant se doit d'être irréprochable. Vous n'allez pas me dire que moi, je vais partir faire du n'importe quoi et puis je viens vous parler aussi. Vous, aujourd'hui, vous allez m'écouter. C'est, vous n'allez pas me lyncher. Vous serez les premiers à me lyncher, non? Vous serez les premiers à dire que je suis fausse, non? Vous savez, les premiers à dire que c'est monté, que c'est descendu. Moi, je n'ancre pas là-dessus. Allons seulement. Allons seulement. Chacun sait pourquoi il est venu. Et chacun sait ce qu'il va dire. Et chacun sait pourquoi il combat. Ok. Je venais aujourd'hui, ce soir, mes frères et sœurs, pour vous parler du 8 mars. Et je crois que ça va, cela doit passer d'abord par une instruction. L'instruction, notre peuple est à réenseigner. Notre peuple est, en fait,
C'est comme un petit bébé où on doit réapprendre vraiment beaucoup certaines, on doit apprendre certaines choses pour qu'il puisse comprendre. Le 8 mars en général, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous là qui peut même me dire ce que c'est que le 8 mars? Pourquoi il a été créé ou fondé? Alors on peut continuer. Je vais lire vos commentaires. Hein? Moi, je vais lire vos commentaires en bas là. Hein? Nous, on est passé dans le Congo ça. Moi, je vous ai déjà dit ici là que si vous connaissez la particularité des twins, les twins n'ont jamais été pour le Congo ça ou bien pour Sali ou bien pour Nuit ou bien... pardon, enlevez-nous de là. Si vous croyez qu'aujourd'hui là, on va faire un direct spécial Congo ça, vous vous êtes trompé. Désabonnez-vous seulement alors en même temps. Pardon, je vous en supplie. Vous avez compris, non? Vous m'avez écouté depuis. Depuis qu'on parle, vous m'avez déjà même dû faire un clash. Vous connaissez ma particularité. Non, moi, je ne suis pas dans les clashs. Ça ne me ressemble pas et ça ne m'importe peu. Maman était malade. J'étais répondu, Youfang. J'étais tellement malade que si même je t'explique, est-ce que toi-même tu ne vois pas, il doit seulement me déshabiller pour que tu vois que j'ai maigri. Donc, pardon, si vous croyez que c'est le clash aujourd'hui, désabonnez-vous parce que c'est un peu intéressant. Parce que vous avez déjà été habitué aux discussions des bars. Ça, c'est votre particularité. Les discussions qui ne vous amènent en rien. Vous allez vous cloîtrer dans je ne sais pas quoi, des directs où on va parler que l'autre est monté, l'autre est descendu, il est allé à gauche, il est allé à droite, jusqu'à ça appuie sur vous, ça tacle, jusqu'à ça crame. Et tant que ce n'est pas comme ça là, vous n'êtes pas tranquille. Même vos messages que vous êtes en train d'écrire sur le bas là, c'est seulement que, oh, t'elle a dit que, oh, t'elle a trahi que, oh, c'est faux, vous n'allez pas prendre ça sur moi. Passez votre route, Nampian. Vous avez compris, non? Considérez que j'étais absente. J'ai rien suivi. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ce qu'on va parler aujourd'hui là, c'est ce qui est important pour la femme africaine, pour la femme camerounaise, pour la femme queens comme je suis là, et pour toi là qui est en train de me suivre. On est d'accord? À défaut, hein? Allez suivre dans le direct d'Amé Kamé. Allez suivre le direct de je ne sais pas qui, parce que moi je suis pas intéressante. Et en même temps, avant que tu partes, d'abord même suivre le direct là. Partage d'abord, comme ça tu laisses ceux qui veulent suivre d'abord, suivre derrière toi. Tu vas seulement partager Nampian. Oui. Alors, sauf à Nobi Sumol. Everything is not good at Toko. I'm the good one woman. Ah, ça. Merci, merci, vu la faveur. C'est quoi? Ok, excuse, autant pour moi, vale la faveur. Tu sais que depuis là, même que je suis tombée malade, là, parfois, je dois bien me concentrer là, comme ça, pour être en quoi à la page. Donc, la famille, s'il vous plaît, si vous croyez que ici c'est pour un clash, ou si pourquoi, non, c'est pour enseigner. Et quand je dis enseigner, c'est parce que, déjà, à tout combattant, je veux vous-même d'abord là, même pas combattant, que tu sois combattant ou pas, que tu sois quelqu'un qui prône pour le bon sens, je ne sais pas quoi. Je vais te passer un message. Je vais vous dire un truc. Au Cameroun, tout le week-end, tous vos directs que vous faites là ne passent pas. Je vous informe. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une question. C'est une information. On bloque. On bloque tous les directs. Si vous croyez que vous faites vos directs là pour le Cameroun, vous mentez, vous faites pour la diaspora. Vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez comprise? Et compris? Ça veut dire que quoi? Le vendredi, le samedi, le dimanche, vous allez dire à quelle heure je vous prends, non? Je vous prends comme ça parce que l'heure est libérée. Je vous prends parce que l'heure est libérée.
En bon entendeur, salut. Et je ne reviens plus là-dessus. Si vous voulez écouter, si vous voulez n'écouter pas. Alors, quand tu veux faire passer un bon message, s'il te plaît, ne le fais pas passer le week-end. Parce que ça ne te sert à rien. Na Brookport, ça ne sert à rien. C'est comme si tu as donné ton message dans le pâturage en plein, je ne sais pas quoi. Et puis les lionceaux te mangent ça et puis tu ne vois même pas la trace. Donc, ça veut dire que quoi? Quand vous voulez faire passer vos messages là, ce sont les zones. Est-ce qu'on bloque? Ils ont besoin de vous bloquer. Il n'y a aucun internet. Et puis quoi? Bien. Vous allez faire quoi? L'internet ne passe même pas. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Dans le moment que tu es en train de faire ton internet là, ça tourne, ça tourne. On ne te suit pas. Même celui qui était ton fan là, même celui qui voulait te suivre là, même celui qui disait même que je veux un peu ouvrir mes yeux là, il ne te voit pas. Ok? J'espère que tu as compris, oh. Et je ne reviens plus là-dessus, oh. Pourquoi ne dis pas que c'est que quelqu'un avait dit, oh. La tuisse n'était pas là. Elle n'a rien dit. Elle s'est tue. Bing! Et je me tais. Je continue. Vous allez changer seulement votre mode de fonctionnement là. Vous allez changer votre mode de commencer à faire que non, vous croyez que ça passe là. Ça ne passe. Et je me suis tue. Ok. Je disais qu'on va parler d'un enseignement très important. Parce que je sais que cet enseignement, à 7 heures, ça passe. Celui qui sera connecté, demain, c'est tard. Pour les gens qui sont très loin, qui sont en Afrique. Dommage, c'est tard. Mais on dit toujours que on jette quand même le grain. Celui qui sera quand même, parce que aussi, nous sommes des fêtards. Vous-même, vous connaissez. Nous sommes des fêtards. Donc là-bas, ils ne dorment pas. Je vous dis que si vous avez déjà vu un pays qui ne dort pas, c'est chez nous là. C'est chez nous là. Les gens ne dorment pas. Ils sont scotchés jusqu'à... Donc, ils veulent même voir ton direct là, fatigué là. Il n'arrive pas. Mais il est là, scotché. Il va attendre maintenant vers minuit, une heure. Quand ça vient même un peu là, il peut voir peut-être le récapitulatif. Mais tellement ça a tourné qu'il n'a même plus les gigas. C'est pas grave. Donc, si tu es connecté maintenant là, je vais te faire un enseignement. Toi qui es du côté là-bas, pour te demander, est-ce que sais-tu vraiment ce que c'est que le 8 mars? Si je te pose la question, ma soeur, parce que là, il ne s'agit plus des hommes. Sais-tu vraiment ce que c'est que le 8 mars? Pourquoi cette fête a eu lieu? Comment elle a-t-elle vraiment fait pour avoir lieu? Comment elle a abouti à être 8 mars? Non. C'est trois femmes comme ça là. Trois mingili choses comme ça là. Trois mingili petits minots comme ça là qui se sont levés. Elles étaient là-bas dans leur firme. Laissons, on va pas parler le gros français. Même c'est même pas le français parce que quand on dit que firme, c'est les autres langues là qu'on nous a imposées. Elles étaient là comme trois couturières qui sont en train de coudre. À l'époque, on appelait ça les comment on appelle? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Pardon, dites-moi un peu. Les firmes, moi je ne sais même plus, hein. Moi je vais parler le néerlandais, si vous n'arrivez pas où je parle l'allemand. Elles étaient en train de dire que les situations de la femme, si nous on est déjà fatigués, tellement on travaille ici comme les malades. Pendant ce temps, l'homme il est en train de boire sa bière là-bas tranquille, il n'a pas de soucis. Pendant l'autre temps là-bas, nous on nous interdit de faire ci. Pendant l'autre temps là-bas, on nous interdit de faire ça. On est là, c'est nous qui portons les enfants. On est là, c'est nous qui travaillons seulement. On est là, c'est nous qui rentrons encore à la maison, on fait à manger pour nos enfants. On est là, c'est nous qui devons amener les enfants à l'école le matin. On est là, elles avaient de tellement, on est là, ça avait rempli comme ça là, le dictionnaire. Tellement les femmes souffraient. Les trois ouvrières là, mon frère, ma soeur, comme je te fais le direct aujourd'hui là, je vais te faire ça encore demain avant que le 8 mars n'arrive, que ça ait au moins monté dans ta tête et que tu saches vraiment ce que tu veux pour ta vie. Là, le combat que nous menons là, ce n'est pas la guerre, c'est à toi de choisir ce que tu voudrais toi-même pour ta propre vie et pour ta progéniture. Quand tu vas choisir la Wao, maman, tu as choisi non? Qui va venir dire que ne choisis pas? Quand tu as porté la Wao, tu vas porter non? Est-ce que ça sera moi qui va venir dire que ne porte pas? Mais au moins tu aurais compris le message.
Même un jour où je ne serai plus, tu aurais quand même dit qu'il y avait une petite fille un jour qui m'avait parlé, qui avait dit que, qui avait dit que, qui avait dit que. Sache que tout ce qu'on fait sur le soleil, on le paye. Et tout ce qu'on veut sur le soleil, on l'acquiert et on l'obtient. La femme devrait être celle-là, la Mama Zinga devrait être celle-là. Que quand elle se place comme ça, elle dit que oui, hey, pas mon enfant. Les chemins lui sont ouverts. Ce n'est pas celle qui bloque le chemin de ses enfants. Ce n'est pas celle-là qui devrait plutôt faire en sorte que ses enfants n'avancent pas. Yeah, ma fille. Yeah. Ce n'est pas celle-là qui devrait même plutôt montrer une vie mondaine à sa progéniture. C'est celle-là qui devrait plutôt aplanir le chemin. Pour que quand ses enfants viennent, ils ne souffrent pas parce qu'au moins ils connaissent le bon chemin. Mais quand tu ne montres pas, j'y étais déjà. Je dois seulement te dire. J'y étais, je suis rentrée. Ok, ça a cru sur vous. Je ne dois pas seulement te dire désiré. Pardon, il faut pas embrouiller. Donc le message que j'ai passé avant, tu dois le comprendre. Oh, yes! Pourquoi vous êtes même comme ça, vous n'arrivez pas à comprendre une fois jusqu'à ce que ça passe sur vous? Il faut seulement qu'on parle trop. On continue. Aplanissez vos chantiers. Aplanissez vos sentiers en même temps aussi. Afin que quand ton enfant vient, il ne souffre pas. Que celui-là, ne répétons pas les erreurs que nos aïeux ou nos parents, parce qu'on ne peut même pas dire nos aïeux étaient encore plus conscients. C'était même ceux qui se sont battus pour nous, même comme nous, on n'a pas gardé l'héritage. Mais nos parents, c'était les plus moins inconscients. Ils ont signé des choses qui n'étaient pas toujours à notre avantage. Ils ont travaillé pour rien en fait. Ne laissons pas la même chose pour nos enfants. Montrons-leur le bon chemin. À ne pas, par exemple, être pute. À ne pas, par exemple, croire à n'importe quoi. À ne pas être dans les églises du genre, façon. À ne pas avoir des partis pris qui ne sont pas importants pour leur vie. Plutôt à penser pour leur progéniture à venir, d'éternité en éternité. Le 8 mars, c'est trois femmes comme ça là, trois minglichoses qui se sont levées. Elle parlait tout le temps quand ils étaient en train de travailler dans les usines là. Elle disait, ouais, la condition de la femme, c'est moi, je suis fatiguée. L'autre dit, moi, mais je suis fatiguée. Ils croient même que quoi? L'autre dit, ils croient même que quoi? Nous-mêmes, on est fatigués. Un jour, un bon matin, ils se sont levés comme ça là. Je parle comme ça de 1914, Première Guerre mondiale. Elles ont été des femmes valeureuses que le monde n'en aura jamais. Quand elles se sont levées, une s'est levée là-bas à gauche, l'autre à droite, l'autre... Et on dit que les femmes, elles sont courageuses. Hein? Vous connaissez à l'époque Hitler, personne ne parlait, personne ne disait rien, personne ne pouvait même pas broncher. Les femmes ont pris le courage de leurs deux mains. Vous fêtez quoi aujourd'hui? D'accord, vous allez parler en soulevant n'importe quoi. Vous savez ce que les femmes l'ont risqué pour que vous ayez le 8 mars? Non. Elles ont réclamé des causes, une vraie cause. En même temps, ils se lèvent 2, 3, 4. C'est toute l'usine qui était dehors. Et comme à l'époque, les usines étaient l'un de l'autre, proches comme ça là. Ce n'était pas le genre que tu vas quitter ici là. Tu pars en Colomessum, tu trouves l'autre. Tu pars en Essos, tu trouves l'autre. Tu pars en Bogada, tu trouves l'autre. Tu pars au Musport, tu trouves l'autre. Non! Les usines étaient proches comme ça. L'un de l'autre. Ça veut dire que s'il y a l'usine de textile ici, il y a l'usine de la soie ici là. Il y a l'usine de ci, ici à gauche. Il y a l'usine... se sont levées tout en même temps, elles ont commencé à marcher pour dire que non, on veut que la condition de la femme change. Elles se sont levées, elles ont dit que non. Elles veulent que non, la femme a des conditions rémunérées autant que l'homme. Parce qu'elle travaille même plus que l'homme. Elles se sont levées. Elles ont dit que non, nous on en a marre. On est fatigués.
Aujourd'hui, tu as le 8 mars. Et ce n'est pas en 1914-1917 là que ça aboutit. Parce que c'est encore un long chemin comme ça jusqu'à ce que non, aujourd'hui, tu as le 8 mars. Aujourd'hui, tu as le 8 mars, mais que fais-tu de ton 8 mars? Aujourd'hui, tu as le 8 mars, tu vas t'attacher à l'opaille. Aujourd'hui, tu as le 8 mars, au lieu de continuer à réclamer des causes nobles. Aujourd'hui, tu as le 8 mars, au lieu de faire des forums. Tu veux que c'est moi qui va venir te donner les idées? Même si tu n'as pas d'idées, ma soeur, mon frère, viens, on va te donner les idées afin que même ne serait-ce que dans ton quartier, qu'on dise que toi là, tu es une femme valeureuse. Que toi là, tu es une femme qui connaît. Partagez le direct, s'il vous plaît, on est très bas. Partagez le direct, parce que le message là n'est pas seulement pour toi, c'est pour toutes les femmes de la planète, surtout africaines. Et en plus, ce que je trouve déplorable, hein, toi, la femme camerounaise, là, ton pain, c'est le pain le plus laid de tous les pains que l'Afrique a sorti. Yesh! Ton pain, c'est le plus laid que des pains que l'Afrique a sorti. Je préfère porter ça. Alors, sauf à nobi sumol. Hey, everything is not good at Toko. I'm beautiful. Regardez la beauté de la femme africaine. Regardez le chapeau. Regardez l'accoutrement. Regardez l'ingénierie que les mamans avaient avant. Le goût de ça. Quand vous voyez vous-même ça, ce n'est pas sexy. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas beau. Je peux entrer n'importe où, même chez le roi. Chez le roi belge avec. Je peux partir n'importe où avec cette tenue, mes frères, mes soeurs. Ma chérie. Ma chérie. Regarde comment je suis jolie. Tu veux que je commence à faire même seulement le bam bam bé. Bam bam bé. Bam bam bé. Regarde comment je te donne le goût. Pardon, prends ton argent, va acheter la tenue Bamenda. À défaut, va acheter la tenue Bamjou. Bamileke. Bam bam bé. Regardez comment c'est beau. Bam. J'ai acheté ça pour vous. Pour que vous compreniez qu'il n'y a rien de beau comme sa culture. Qu'il n'y a rien de joli. Oh. Comme ça. Les mamans étaient concentrées à l'époque. Dites-moi un peu, c'est que maintenant, si au troisième millénaire on a créé, si ce n'est pas que le pain ne vient que lait et 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 lait, et vous accourez pour quelque chose qui n'est même pas joli. Pardon, pardon. Si vous voulez même porter même le pain là, hein, mieux il faut même aller encore sur le pain du Congo. Peut-être c'est ça même encore qui a un peu de la valeur. Parce que même seulement l'effigie, même seulement le dessin, même seulement le tissu, même seulement la qualité, est mille fois mieux que le pain que tu vas aller chercher là-bas qui a mille couleurs qui ne ressemblent à rien. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. S'il vous plaît. Dans les trois femmes-là en marchant, en donnant la liberté à la femme de pouvoir parler comme je parle aujourd'hui là. Parce que aujourd'hui, avant là, les femmes ne parlaient pas comme je parle là. On tapait seulement bam sur le visage. Tu te tais une fois en même temps, boum. Oui. Et vous-même, vous le savez. Et même jusqu'à présent en Afrique, la femme n'a même pas le pouvoir. Elle n'arrive même pas tellement à dire des choses. Franck, si toi tu as un problème avec moi particulièrement, excuse-moi. C'est pas grave, je suis la pute de ta mère, non? Je suis la pute de ta soeur, non? Je suis ta pute en même temps. Est-ce que tu vas même me voir quelque part? On t'a déjà dit qu'on m'a vu où? C'est pas grave. Mais
Je crois que ici, moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai rien dit de mauvais, de travers, de nulle part de personne. Je suis en train de sensibiliser la femme africaine pour qu'elle comprenne ses valeurs, pour qu'elle sache ce qu'elle veut. C'est tout. Je n'ai rien dit de mauvais, de personne ici. Et si ça te déplaît, mon frère, excuse-moi, continue ta vie mondaine, continue à faire tes choses comme tu es en train de faire. C'est qui est la pute entre toi et moi si ce n'est pas toi? Je crois que c'est toi. Donc mes frères, mes soeurs, pardon, s'il vous plaît, enseignez vos enfants. Comme l'énergumène qui vient m'insulter là même pour rien. Je ne sais même pas ce que je lui ai dit de mauvais. Je ne sais pas ce que je lui ai dit de mauvais. Comme il change même de nom après à toi à travers là pour prôner. Il porte même un nom qui ne lui appartient pas. Parce que vous allez voir derrière, il se cache un misoko ou bien un voutou ou bien je ne sais pas quoi. On vous connaît déjà et ça ne branle plus personne. Parce que à l'heure, si nous on n'est plus au tribalisme, on a avancé, je suis une fille boulou, j'assume. Et mais je porte une tenue Bamenda, Bamileke et j'assume. Tellement c'est beau. Mens, jusqu'à les Rihanna et consorts le portent. Vous croyez que, au lieu de valoriser votre culture, de demander les droits d'auteur, les Yves Saint Laurent vont venir ici. Ils volent votre culture, ils volent vos effigies, ils volent tout, 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 tout. Vous laissez tomber. Vous vous concentrez sur de la merde. Enseignez vos générations. Enseignez vos enfants. Enseignez ces petits bambins afin qu'ils connaissent choisir, afin qu'ils se battent réellement. Afin qu'ils soient les vrais patriotes, pas les patriotes de pec-pec que vous êtes en train de raconter là. Pas les patriotes de pec-pec qui se trimballent partout avec les pagnes de je ne sais pas quoi. Au lieu de se trimballer. Voilà l'effigie d'un pays. C'est ça être patriote. Me trimballer avec l'effigie de mon pays. Aller travailler avec. Et que quand on me demande, oui. Le Moudengue me demande, c'est la tenue de mon pays, hein, c'est du Cameroun. Oh, c'est très beau, est-ce que je peux la voir? Mais putain, que c'est une fierté pour moi. Que c'est une fierté pour moi. Donc essayez, s'il vous plaît. Le 8 mars n'est pas encore arrivé. Vous avez le choix de porter soit le pagne du 8 mars, soit être vraiment culturalisé et savoir ce que vous voulez pour votre vie. Le 8 mars n'est pas encore arrivé, je vous dis encore. Vous avez le choix que tu aies cousu cette tenue ou que tu ne l'aies pas encore cousue. Tu as le choix de la porter ou pas. Mais je crois que le 8 mars n'a pas été fait pour un pagne. Le 8 mars n'a pas été fait pour une vie mondaine. Le 8 mars n'a pas été fait pour soulever du n'importe quoi, avoir des enfants illégitimes. Le 8 mars n'a pas été fait. Je dis bien que le 8 mars n'a pas été fait pour que vous cassez vos foyers. Le 8 mars n'a pas été fait. Pour que toi, femme, avec ta dignité que tu dormes dans un bar. Femme, avec ta dignité que tes enfants même, ce jour-là soient violés. Avec ta dignité que tu n'aies pas le contrôle de ta propre maison. Le 8 mars n'a pas été fait pour ça. Le 8 mars n'a pas été fait pour ça. En bon attendant, salut. Celui qui veut faire de sa vie ce qu'il veut, personne ne peut l'arrêter. Tu vas nous dire que quoi? On va tout te payer à 5 000, tu vas accepter. Mais est-ce que tu as pensé à 7 ans prochains? Tu as pensé à une vie future? Est-ce que tu as pensé à ton bien-être futur? Non, tu n'as pas pensé à ça. On ne t'interdit pas de le porter. Porte ton 8 mars, mais sache pourquoi le 8 mars a été fait. C'est pour revendiquer des choses nobles. Vous revendiquez des choses nobles comme quoi? Fais même des forums quand ça te dépasse. Apprendre à tes propres enfants à cuisiner parce qu'il y a plein de femmes à l'heure actuelle qui ne mettent même pas la marmite au feu. Leur but, c'est seulement être dehors, avoir une bière à gauche, à droite,
pendant ce temps, les enfants doivent se débrouiller. Le 8 mars, ma chérie, même dans les interquartiers là, pourquoi vous ne voulez, pourquoi vous pouvez pas faire les interquartiers? Colomessin contre l'hôtel du plateau. On va voir celui qui a sorti le meilleur plat traditionnel pendant cette journée-là. La femme qui a sorti le meilleur plat de cuisine, on place ça comme ça. On prend les hommes valeureux, ils viennent goûter et puis ils jugent que hey, c'est un Colomessin. Tout le monde dit yeah, bravo Colomessin, ils ont sorti le meilleur plat. Non. Qu'est-ce que vont faire nos mamans? Aller boire dans les bars, s'asseoir, bavarder à longueur de journée, crier comme des encervelés, et puis il n'y a rien eu qui a été bon ou mauvais. On les a même violés ou bu, je ne sais pas quoi, dans tous les sens, et puis on les retrouve dans les rues le lendemain matin. Ah oui. Ah oui. Vous allez vous plaindre, vous allez croire que peut-être nous on se bat pour quoi, parce que en réalité, le 8 mars n'a pas été fait pour un paille. Le 8 mars a été fait parce qu'on revendique des choses nobles, parce que c'est ce jour où il faut éduquer, parce que c'est ce jour où il faut réclamer des trucs qui se pourraient pour l'avancement. La femme, toi qui es la femme de l'humanité, la femme, toi qui es celle-là qui peut avancer. Toi qui es celle-là qui peut enseigner une progéniture. C'est toi qui enfante et c'est toi qui gâte, maman. Moi, je te pose la question. Toi, tu vas venir me dire aujourd'hui que ton 8 mars est déjà prêt, fin, fini, bien. Tu enfantes et tu gâtes. Moi, je vois dans mes mains. Donc, tu es capable d'enfanter, couper ton enfant en morceaux, manger et boire le sang. Vrai, 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 vrai. Je suis fatiguée. Parce que moi, je ne me vois pas un jour ou l'autre enfanter et puis détruire. Je suis fatiguée. Parce que moi, je ne me vois pas un jour ou l'autre. Toi qui es en train de même de me suivre, tu m'insultes de tous les noms. Te voir et passer sur ton cadavre. Je te le promets, je ne peux pas. Si toi, tu as le cœur. Moi, je ne peux pas. Je suis fatiguée. Parce que tu es d'une empathie inestimable. Je ne sais même pas comment je peux qualifier le sens. Mais ce n'est pas pour autant que moi, je ne vais pas t'aimer. Ce n'est pas pour autant que je dois être comme toi. Ce n'est pas pour autant que si toi tu es malveillant, malfrat, incorrompu, idiot, que tu vas m'amener à être comme toi. Jamais. Non. Je le dis jamais jusqu'à ce que la terre finit. Jamais il serait corrompu. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de toi pour vivre. Je n'ai pas besoin d'un parti politique pour vivre. Non, moi je crois que je passe que par une sensibilisation. Et si tu veux écouter ma sensibilisation, tant mieux. Tu ne veux pas tes risques et périls, mais tu ne me verras à aucune organisation que tu crois croire. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis fatiguée. Parce que le jour où tu vas comprendre qu'ensemble nous nous tenons la main et nous avancerons, tu seras quelqu'un. Voilà. Je ne serai jamais dans quelque chose qui ne m'engage pas ou quelque chose qui n'engage pas mon prochain parce que ça ne fait pas partie de ma mentalité. Non.
Non. Voilà. Je crois que le message est assez si bien passé comme ça. Et je crois que le 8 mars n'est pas encore là. Comme je viens de parler aujourd'hui, je reviendrai encore vous parler pour que vous puissiez comprendre. Le pain là ne vous sert à rien. Vous-même, vous avez déjà vu quelque chose qu'on partage. On fonce. Mais Nawa of you. Nawa of you. Toi d'abord là, je te bloque parce que toi tu es un vrai bloqué. Voilà, si c'est Jean quoi là. Tu es un bon sardinat. Tu viens embrouiller les gens ici là. C'est comme ça que vous faites. Vous venez souvent passer les messages bizarres là pour qu'on croit que les gens sont dans votre camp. Je te bloque Jean-Marie Fomungota. Et tu vas même voir même, c'est un bon sardinat. Il fait semblant ici là. Parce qu'il va faire... Parce, ils sont souvent comme ça. Quand ils veulent donner les étiquettes aux gens. Je t'ai bien bloqué. Et je suis fière de t'avoir bloqué. Voilà. Quand tu les laisses bavarder. Si tu les laisses raconter ces bêtises-là. Les gens vont croire que tu es peut-être dans un certain camp où je ne sais pas quoi. Je t'ai bloqué. Va dire. Qu'on vienne maintenant te débloquer. Si ce n'est pas moi-même. Ou bien si tu peux te faire un faux profil. Autant pour toi. Non, mais vrai. Posez-vous parfois les questions à un certain moment dans votre vie. Je crois que vos enfants, comme les nous, là, on ne va pas passer tout notre temps à vous éduquer. Vous les mères, vous les jeunes filles, vous les adolescentes, vous les je ne sais pas quoi là. Parce que je crois qu'on est dans la même tranche d'âge. Hein. Il y a plein là qui ont mon âge et qui se tuent à dire qu'elles vont porter cette tenue ou qui se tuent à dire que ping-piang, on est dedans. Tu es même dedans là, même là. J'accepte même que tu es dedans. Mais tu réclames quelle cause du 8 mars? Est-ce que si je te pose la question, que le jour du 8 mars là, que réclames-tu de bien? Que réclames-tu de beau? Quel est ton message à prodiguer à tes cadettes de 17, 18, 19, 20 ans, 21? Même à partir de 12 ans. Parce que la femme camerounaise, la femme africaine, c'est celle qui avance mais à une allure pas possible. La preuve, vous avez vu, on est même parti violer une petite fille là-bas. Elle rentrait de son école, elle avait 12 ans. Elle est enceinte aujourd'hui là. Quelqu'un a parlé de ça? Quelqu'un a dit quelque chose sur ça? Quelqu'un a dit que, yeah, Cameroun n'a wow, on part où? Personne n'a... Même personne n'a abordé le sujet comme ça. Personne n'a rien dit. Oui, pour que toi, tu viens aujourd'hui, tu me dis que tu as cousu ton pain, ping, ping, c'est fin prêt. Et si c'est fin prêt, moi je te demande donc là, le jour du 8 mars là, tu vas réclamer quelle cause? Tu vas dire que tu sors pourquoi? Tu vas dire que le but maintenant que tu portes, même la tenue que tu portes là, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui peut me faire un direct? Je m'en fous de quelle origine il se trouve. Je m'en fous de quel endroit il se trouve. Qui va venir se placer ici à Mondiovision? Qui va me dire que moi je marche pour le 8 mars en portant cette tenue parce que je défends telle cause ou telle cause? Et que cette cause-là, que le monde l'approuve. Et je te préviens, pour montrer même encore ton idiotie totale. Parmi tous les pains qui ont été créés, qui ont été fabriqués en Afrique centrale, tu as le plus laid pain. Le plus laid pain. Même seulement l'ingénierie, tu n'as pas. Pardon, va même chercher le pain du Congo. Cours même encore. Ça a même au moins un sens. Ça a même au moins un sens. La jolibilité même pour dire que je vois, même si ça n'a pas le sens, la jolibilité même de la chose pour dire que oui, ça c'est la féminité, ça c'est la finesse de la femme. Au moins ça, pour toi là, ça a quoi? Pour toi là, ça a quoi? Qu'as-tu réclamé de bien? Peut-être que tu peux rattraper, hein? Parce qu'on vous connaît déjà, vous trichez les idées des autres.
Oh, peut-être qu'en fonction de mon live même, tu peux essayer de faire quelque chose. Va faire les interquartiers comme je t'ai expliqué là. Va faire les forums comme je t'ai expliqué là. Va faire les ateliers, je ne sais pas quoi, le jour là. Au moins, tu pourrais dire que oui, j'ai porté au moins le pain ici pour dire que oui, on a fait interquartier contre Colombo, c'est un hôtel du plateau. On a préparé un bon plat de nourriture. On va voir qui était le gagnant. On a appris aux filles à coudre. On a appris aux filles à border la tenue Bamenda Sila que les mamans ont fait. Voilà ça. Elles ont fait avec tant d'amour, tant de douceur. Ça nous a donné ça. Na wao, na you, woman. Au moins le jour là, je t'en prie. Au moins quand on va même venir, au moins se placer comme ça à Mondiovision. Oh. Tu vas venir dire aussi au moins que non, j'ai porté la tenue ci. On m'avait appris à faire ça dans tel quartier le jour de la journée de la femme. J'ai peut-être préparé le coq. On m'a appris à cuisiner ça peut-être dans tel quartier-là, le jour de la journée de la femme. J'ai peut-être, je ne sais pas quoi. Mais maman, s'il te plaît, je te donne même les idées pour que tu sois même au moins valeureuse le jour-là. Pour qu'au moins le jour-là, même là, même tu dis que non, parce qu'on vous a appris que lorsque l'autre balaye la route, toi aussi tu cours, tu balayes la route pour dire que oui, c'est toi qui balayais avant. Donc, lorsque l'autre dit que oui, moi je vais faire, si toi aussi tu cours, tu vas vite faire. Parce que tu vas dire que oui, c'est toi qui avais eu l'idée avant. Moi, je te donne alors peut-être ma propre idée de twins, non. Pourquoi tu ne dis pas le jour là que non, tu n'avais pas peut-être marché pour une cause noble en portant ton pain là, que je ne sais même pas pourquoi tu portes le pain. Va alors maintenant dire que oui. Le jour là... Moi, telle là, parce que moi, si moi j'étais là-bas, hein, moi, je devais dire que moi, en tant que twins, je vais regrouper tout un quartier. Les filles du quartier, les belles nanas là et tout, au lieu qu'on va soulever le cabas, venez, je vais vous apprendre. On va même faire peut-être un steak. Ou bien, je vais vous montrer comment on fait une pâte feuilletée. Ou bien, je vais vous montrer comment on fait peut-être l'on cuit. Ou bien, je vais vous montrer comment on fait la sauce jaune. Ou bien, le nanchichu. Ou bien, je ne sais pas quoi, le coq. Ou bien, le namongon. Ou bien, le namowondo. Ou bien, je vais citer quoi. Il y a tellement de mecs comme ça là au camé. Oui, il y a tellement de choses comme ça pour le développement de notre pays. Pour le développement de notre pays. Ce n'est pas rester, aller faire les organisations pour la journée de 8 mars. Telle fête à Namur, telle fête à Berlin, telle fête à Paris de Gaulle, telle fête à machin. Vous allez là-bas, vous soulevez jusqu'au petit matin. Et je te coupe encore si c'est Daniel Olivier, parce que tu n'es pas intéressant. Parce que je crois que ici, quand je suis en train de parler, ça ne s'adresse même pas à toi. Voilà. Ça s'adresse aux personnes qui veulent écouter le message. Celui qui veut écouter le message, l'écoute. Et celui qui ne veut pas, tant mieux. Voilà. Je crois qu'à un certain moment dans la vie, même le ventre, ma tante Ayo, n'est pas important. Parce que, je te dis... À un moment dans la vie de l'être humain, il a tout mangé. Il a tout fait. Il a tout bu. Il a tout. Donc même la nourriture, alors si je ne crois pas que c'est ça. Ce n'est pas la nourriture, hein, Martin. Je te dis la vérité, papa. Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas la nourriture. Parce que même seulement à mon pauvre petit âge, là, il te dit que j'ai tout mangé, j'ai tout vu, j'ai tout compris, j'ai tout. S'il fallait même seulement que je m'attarde sur certains propos que certains ont eu à m'envoyer, même étant malade et tout. Pour eux là, non. Hey, moi, j'ai vendu le clan. Moi, je suis quelqu'un que non. Hey, non. Quelqu'un ne peut plus être malade dans la vie ou bien quelqu'un ne peut même plus dire que je me tais. Non. Pour eux, je suis non. J'ai changé de camp jusqu'à comme si j'avais d'abord un camp avant. Oui. Oui. C'est comme si toi, tu n'as pas le droit au repos, tu n'as pas le droit au congé maladie, tu n'as pas le droit à rien. Tu dois être là, focusé 100%. Tant que tu ne l'es pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ah oui. Ah oui. Ah oui.
C'est pourquoi moi je reviens, parce que je me suis dit que voilà, le 8 mars approche, on a déjà fait un combat, on est en train d'avancer. Elles doivent savoir vraiment pourquoi même elles se battent pour le 8 mars. S'il vous plaît, le 8 mars a été fait, trois femmes comme ça, russes, ça commence en Russie, La Russie de Vladimir Poutine, la Russie. Trois femmes comme ça ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, tu as le 8 mars. Elles ont dit que non, notre condition là ne mérite plus d'y être. Toi, tu demandes quelles conditions? Soulever le cabas, la prostitution, être pute à vie, faire les partouzes. Parce que même quand on dit, même, vous n'êtes même plus au niveau de la prostitution, c'est au niveau de la, des partouzeurs et des partouzeuses. Oui. Au niveau des partouzeurs et des partout. Ça, c'est déjà votre niveau. Parce que la prostitution, c'est trop peu. Si vous n'avez même pas 5, un même soir dans une même salle, je ne sais pas quoi, ce n'est rien pour vous. Ce n'est rien pour vous. Je crois que le 8 mars n'a pas été fait pour ça, mes chéris. Le 8 mars a été fait pour défendre des causes nobles. Le 8 mars a été fait pour que même ceux qui n'étaient pas les plus petites instruites là puissent être instruites. S'il te plaît, faites des ateliers. Faites des ateliers dans vos quartiers. S'il vous plaît, louez des salles où vous allez faire des... Vous allez promouvoir peut-être... Il y a toujours dans un quartier un génie, une génie quelque part. Il y a toujours dans un quartier un enfant exceptionnel quelque part. Il y a toujours dans un quartier une maman qui fait quelque chose que même dans les autres quartiers, les mamans n'arrivent pas à faire. Je vous promets que même le beignet haricot, là, il y a d'autres mamans qui te tapent le beignet haricot comme ça. Toi-même, tu confirmes le code. Faites même le concours beignet haricot. Tout le monde connaît ça. Ils vont venir goûter le plus bon beignet. Le plus bon beignet. Eux-mêmes, ils vont confirmer que ça, c'est du beignet. Je vous en prie. Vous allez dépenser combien pour acheter un pain et combien pour le coudre? La prostitution, c'est quelque chose. Vraiment de Dieu. Parce que vrai, voilà, quand tu entres dans l'affaire, là, même si on te dit quoi, tu vas seulement dire que je porte ma chose, je vais aller soulever, je vais aller monter, que je vais aller descendre. Parce que moi, je vous dis que toute fille digne, qui se responsabilise, qui connaît vraiment ce qu'elle cherche dans la vie, elle a des principes. Et ces principes-là, personne ne peut les ébranler. Il est bien vrai, ils sont rares à trouver. Mais moi, je vous promets, ça existe encore. Et c'est celle-là que je sais que mon message va passer. C'est à celle-là même, celle qui s'est même mise dans cette ville-là parce qu'elle ne voulait pas. Mon message te touchera. Tu vas comprendre que maman, tu es sur le mauvais chemin. Tu vas replier toi-même tes deux pieds en arrière. Vrai. La femme que je connais là, africaine, camerounaise, battante là, qui sait ce qu'elle veut? La vraie, moi je dis la vraie. Pas celles qui sont venues en 1900, je ne sais pas quoi, ouais, là, quand elles ont eu leur maman qui est arrivée aussi là. Parce qu'elles ont cru que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner. La vraie des vraies, les vraies là, que la grand-mère a éduqué. Parce que la plupart des vraies filles au Cameroun, ce sont les grand-mères qui les ont éduquées comme moi. Je suis le fruit de Ndongo Mengele Madeleine. Je dis bien Mengele Madeleine. Elle m'a appris. Je te dis que ma grand-mère avait acheté un petit pot comme ça là. C'était petit comme ça là. Quand elle avait le gros pot comme ça là. Un petit pot comme ça là. Ma grand-mère en avait. Et puis il y avait un grand pot comme ça pour elle. Elle faisait souvent que quand elle coupe l'oignon, elle me dit coupe aussi. Coupe la tomate, elle me dit coupe aussi. Verse, je verse aussi. C'est comme ça que moi je vous dis que j'ai appris à cuisiner. Ce n'est pas celle d'hier, yeah, là qui veut maintenant dire que non. Non, ce n'est pas la vraie fille camerounaise que je connais. Les vraies filles, vraies, des vraies camerounaises ont été éduquées par leur grand-mère.
ont été éduqués par les tantes. Oui, ça c'est la vraie que je connais. Et celle-là, mon message s'adresse à toi. Sache ce que tu veux de ton 8 mars. Sache ce que tu veux de ton 8 mars et pose-toi une question. Quand tu vois des gens en train de partager un pain gratuit, hey, il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, maman. Depuis les 1900, ouais, on ne t'a donné rien gratuit. Ouais, maman. On vient maintenant, aujourd'hui, si te donner quelque chose de gratuit en partageant dans tous les coins. Moi-même, j'ai vu même bien. C'est même pas qu'on me raconte ce que, hein, comme ça dedans. Tu crois que l'affaire est simple? Tu crois que l'affaire si est simple? Ce n'est pas simple. Jusqu'à forcer à te donner. C'est que tu vois la perdition. On veut que tu sois abruti jusqu'à fond et que tu n'ouvres jamais tes yeux, que tu te concentres aux choses qui ne te sont pas utiles. Parce qu'on sait que le jour où tu vas mieux ouvrir tes yeux là et que tu vas faire les choses utiles, tu vas te concentrer à, ce, à ton intérêt. Et ton intérêt, elle n'est pas crucial. Ton intérêt là, c'est quelque chose qui est vraiment... J'ai les larmes qui coulent. Je ne vous mens pas. Je vous aime. Je ne vous... Et, vous et sachez que dans la vie, qui parle t'aime. Celui qui ne t'aime pas ne te dira jamais quelque chose qui n'est pas à ton avantage, mon frère ou ma soeur. Il va s'en foutre parce qu'il veut être au-dessus de toi. Il va s'en foutre parce qu'il veut être au-dessus de toi. Parce qu'il veut que quand il passe là, que toi tu sois en arrière, que tu laisses son cul. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dis-toi que demain tu auras des enfants. Ferme tes yeux un seul instant. Quand je vous parle là, fermez tous vos yeux, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, un seul instant. Imagine-toi le genre de monde, le genre de vie que tu voudrais avoir dans tes yeux là. Tu veux être heureux, non? Tu veux vivre à ta faim, non? Tu veux avoir le monopole du contrôle de tout ce qui t'est tout autour de toi, non? Tu veux être épanoui, être en bonne santé. Tu veux vivre longtemps, avoir une belle maison, avoir une belle femme, des beaux enfants, intelligents comme jamais. En même temps que je te parle, moi je suis en train d'imaginer ma propre vie. Alors pour ça, au lieu que moi je prenne mon argent pour aller acheter un pain de 8 mars sur le coudre, parce que ça va même te coûter doublement. Je crois que je vais faire des efforts, moi, et demander toute autre chose, afin que j'aie tout ce que moi je viens de rêver là maintenant. Oui. Je vais vouloir une belle maison.
Je vais vouloir peut-être si, ça dépend du niveau d'études que j'ai eu. Si toi, par exemple, tu as fait des études poussées ou pas, tu sens que tu peux exceller dans le commerce ou pas, tu sens que tu peux faire quelque chose qui peut t'envoyer au plus haut ou pas. Le jour du 8 mars, ma soeur, mon frère, moi je vais demander toute autre chose pour ma vie. Ah oui. Le pain là, ça ne m'est pas utile. Vrai, vrai, vrai. Et pose-toi la question. S'il arrive à un certain moment dans ta vie, on vient, on te donne quelque chose de gratuit qu'on ne t'a pas donné il y a plus de 20 ans. Pose-toi la question. Pourquoi me donne-t-on ce pain gratuitement? Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur? Ok? Ne refuse pas le pagnon, mais demande plutôt autre chose. C'est ce qu'on vous dit depuis. Parce que ce jour-là, c'est un jour censé où tu devrais réclamer des choses nobles, comme les trois femmes russes qui se sont levées, ont fait la révolution afin que tu puisses avoir la journée du 8 mars. Là, conditions ont été changées. On a dit aux mamans, vous voulez qu'on vous ajoute l'argent? Oui, on va vous ajouter l'argent. Elles disent, non, 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 c'est pas assez. Même l'argent, là, on ne veut pas. Vous voulez alors quoi? On veut les congés de maternité. Ok, vous voulez en plus les congés de maternité en plus de l'argent. On va vous donner. Même les congés de maternité, là, on ne veut pas. Vous voulez alors quoi? Ok, on veut travailler le même nombre d'heures que les hommes. Vous voulez les congés de maternité, l'argent, travailler le même ou moins que les heures des hommes. On va vous donner. Jusqu'à aujourd'hui, tu es libre, maman. Jusqu'à que tu peux parler fort. Tu parlais fort avant. Si on n'allait pas t'arracher tous les dents, est-ce que tu parlais fort avant? On t'a donné maintenant le 8 mars où tu peux t'exprimer. Tu veux maintenant faire du 8 mars une journée de vagabondage absolu. Non. Essaie de conserver. Essaie de conserver la marge de ces femmes pour. Parce que ce qui est sûr, on parle de 1914. Soit elles sont mortes, soit il y a quelque chose que. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé si elles vivent encore ou pas. À l'heure si là, ne serait-ce pour paix à leur âme, essaie de conserver leur marge, demande des choses nobles. Je crois que jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui où on est en train de parler là, le pain n'est pas nécessaire. Fais plutôt toute autre chose de cette journée. Essaie d'enseigner, essaie d'instruire, essaie d'élever, essaie de garder ta famille. Essaie de faire quelque chose de meilleur pour toi. Moi, je suis sûre. Et ne vous détrompez pas, le message est passé, que vous le vouliez ou non. Si c'est ce que vous voulez sortir de ma bouche, Martin Taillot, vous tous là, moi je vais vous dire que le message du 8 mars est passé. Peut-être c'est le seul message qui est passé dans cette révolution. Parce que moi-même, je suis convaincue. J'y étais en plein marché. On dit à une femme, tu veux le. Non, moi je ne porte pas ça. Est-ce qu'on s'est parlé avant? Elle connaît les twins. Elle me connaissait, mais elle était même débraillée comme tout. Non, elle ne me connaît pas. Mais je vous dis qu'il y a des centaines et des milliers de femmes au Cameroun qui ont dit qu'elles ne portent pas. Toi de la diaspora qui veux porter parce que tu veux faire tenir tête, porte. Je te dis que notre message est passé. Nan bien. Et c'est le seul message qui a pu passer dans cette révolution. Big up à toi, femme africaine. Big up à toi, la mamazinga. Big up à toi, la femme valeureuse. Big up à toi, toi qui sais ce que tu veux. C'est pour ça qu'on partage. Je vous dis parce que j'y ai été. Et j'ai vu ce qui se passe. C'est le seul message jusqu'à présent dans cette révolution qui a eu effet. Ah oui, pour dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Pour dire qu'il n'y a que les idiots qui croient que parfois quand les gens parlent, ça part pousser dans un sol aride. Vous avez compris? Le message est passé. Si vous êtes honnête. Moi, je vous tends le défi parce que je vous dis que j'ai pris mon temps pour voir, j'ai pris mon temps pour palper, j'ai pris mon temps pour regarder. La femme camerounaise à l'heure d'aujourd'hui, là, ne s'intéresse pas à ce pain. Si vous avez vu quelqu'un apporter ce pain-là, on lui a donné ça gratuit. On lui a donné ça gratuit.
gratuit. Parce que les années que moi je connaissais, quand tu étais en plein marché, quand je partais acheter une tenue comme ça là, tu es placé là, tu vas acheter la tenue. Oh, maman, ça est. Il y a au moins 15 femmes qui veulent la même tenue que toi. Moi, je vous dis, au jour d'aujourd'hui, là, ça ne passe pas le marché. Les femmes, là, même regrettent pourquoi elles ont cousu ça, elles ont placé ça dans leur machin de, comme ça, là, pour dire que tu veux le pain, tu veux le pain. Tu... Je vous dis que tout le monde, quand il vient, il dit que non, moi, je ne veux pas le pain de 8 mars. Il préfère prendre autre chose. Non, moi, je ne veux pas le pain de 8 mars. Et vous croyez que c'est passé aridement? Oui. Aujourd'hui, là, mon message est pour toi. Toi qui veux être seulement dur en esprit. Toi qui veux seulement faire comme si tu n'as pas compris là. Toi qui veux seulement croire là que non. N'est-ce pas, on va seulement donner ça gratuit. Ça n'a pas été payé. Alors, ça devient comme le boycottage des artistes. Hein? Tu vas faire la force, tu vas faire la force, mais tu as dépensé gratuit. Tu vas voir que même le gang, tu n'as pas eu. Tu vas même voir que non, ils ont commencé à comprendre où est leur avantage. Ici, c'est l'éducation de la Mama Zinga. La Mama Zinga devrait battre pour ça, se battre pour sa progéniture. La Mama Zinga devrait être celle-là qui est comme la mère, comme je voyais, la mère poule là. Quand elle a ses petits poussins là, le poussin veut sortir, elle fait comme ça. Le poussin veut sortir, elle fait comme ça. Le poussin veut, elle fait comme ça avec les deux mains là. Elle prend ça comme ça, na waouh. Elle dit, this one is my thing, oh. He don't want to remove from me. He don't want to go outside. He have to stay here because that is my freedom. That is my progeniture. That is my. Oh, na. Because of you, Mama Africa, you understand what I mean. You want the good future for your children. You want to make the Cameroon one like this. Merci, parce que toi, tu ne vas pas porter le ce pain là. Et je te dis big up. Big up. Na you na big up. Na mama na big up. Na you na big up. Oh, na mama na big up. Le bravo là t'appartient. Ah oui, et c'est ça. Le bravo là t'appartient, maman. Parce que tu es une femme valeureuse et tu as tes principes. La femme africaine, qu'elle se trouve de part au monde, quand vous allez voir la femme même américaine, parce qu'elle est, elle est quittée avec toute sa puissance, la puissance de l'Afrique là, elle s'est retrouvée aux Amériques. Elle se bat. When she's speaking, tu comprends même toi-même que ici là, parce que le pouvoir en réalité, c'était à la femme. Depuis que l'homme est venu, il a fait du n'importe quoi de ce pouvoir. Ah oui, il a voulu faire comprendre que la femme, le pouvoir, le vrai pouvoir de la femme dans le monde. Quand on parle du monde, on parle de celle qui l'a engendrée, de la génitrice qui était la femme. Et la cette femme-là était africaine, elle n'a jamais été dans notre continent. C'était celle qui parlait avec une force dans son ventre. C'était celle qui disait, ici, ça c'est pour moi, qui se battait. Même la révolution africaine, la révolution aux États-Unis a été faite par une femme qui a dit, jamais je ne quitte pas de mon siège. Elle a bouleversé tout l'Amérique. Vous voulez nous faire croire aujourd'hui quoi? Que donc, si elle est quittée de l'Afrique là, elle est partie en Amérique là, elle est partie à gauche là, elle est partie à droite là. Elle sa puissance était finie aussi comme ça là. Hein? Vous avez menti, aucun paille. Ah oui, aucun paille. Celui qui vous allez voir, ou celle à qui vous allez voir le paille. S'il y a 100%, je vous le promets, je vous dis ce que moi j'ai vu. On ne m'a pas raconté. Et j'ai eu tout mon temps pour le voir. Tout le mois de février, je l'ai eu pour le voir. Voilà 10 noms. Il y a comme ça qui ont dit que moi, je ne porte pas ça, je n'achète pas ça, je ne veux même rien entendre. Hein? Maintenant, il y a comme ça un demi, dans les deux qui restent, il y a un demi qui dit que sauf si on me l'offre. Vous voyez, il y a le cœur des filles, le gros cœur. Donc, ça veut dire que si on ne l'offre pas, c'est pareil ou même comme si on l'offrait ou bien si on ne l'offrait pas. Elle s'en fout. Mais si on l'offre quand même, comme c'est le gratuit, elle va porter. Maintenant, il y a l'autre 5% là, hein, qui va quand même aller acheter. Elle va faire comment? Comme vous dites toujours au Cameroun, on va faire comment? Et maintenant, les autres 10%, c'est parce qu'on a fait cadeau. Ça veut dire que le message est
passé. Vous voulez même encore quoi là, même là, même. Vous vous êtes en train de dire que oui, c'est trop tard. On a cousu, on a fait ci. Allez coudre, on s'en fout, non, bien. Le message est passé. Et je vous dis que dans une révolution, dans un changement, dans une désambification de la chose, ça va de pas à pas. Ce n'est jamais un de tic-tac. L'année prochaine, vous allez voir, il n'y a même plus personne qui va acheter ce pain. C'est la première année de test. C'est la première année de test. Est-ce qu'avant, on avait dit qu'on boycotte le pain du 8 mars? Pourquoi vous allez même être tellement si dur comme ça? Il faut aussi être indulgent. Moi, je suis indulgente, hein. Je suis trop indulgente dans ma vie, hein. Et vous savez pourquoi? C'est la première année. Alors, si dans la première année, vous avez eu comme ça, c'est beaucoup, non? Ça veut dire que si on continue avec la même allure et le même rythme, l'année prochaine, il n'y a même plus personne qui va porter le pain là. Parce que toi qui vas porter le pain là, tu seras tellement ridicule que tu vas jeter toi-même. Et je vais vous dire même ce que les gens sont en train de parler dans la rue. Tu entends l'autre qui dit que c'est même un pèlerinage à façon là comme ça. Tu portes même une fois là, après là même, tu as même le dégoût, tu as même honte de porter. Pourquoi tu as honte de porter alors quelque chose? Il fallait continuer à porter. Oui, parce que même là, après qu'on ne porte qu'une fois, c'est l'argent qu'on dépense, c'est si, c'est... Je vous dis ce qui est en train de se passer. Toi qui vas sauf que porter, je te bloque d'abord parce que tu portes ta chaussure dans les 10% qui restent. Ce n'est pas important. Voilà. On ne veut pas les gens qui vont venir nous embrouiller ici, la galerie. On ne veut pas vraiment les gens qui vont venir nous embrouiller ici, la galerie. Et en plus, je vous ai dit que ça fait depuis. Moi, je n'ai même pas fait d'abord de direct. La maladie et tout, et tout, et tout m'a emporté. Vous avez raconté du n'importe quoi. Vous avez dit du n'importe quoi. Maintenant qu'elle vient vous prendre le message là, vous le suivez ou vous faites de ça ce que vous voulez. Mais je ne vais que faire que mon devoir. Voilà. Je crois quand même que, comme vous me voyez là, la tenue est assez belle comme ça. Pourquoi ne pas investir sur ça? Quand vous-même vous voyez le... Mince. Je crois même que ça sera. C'est même la tenue que moi, Eva adopter à toutes circonstances. Lorsqu'on m'invite n'importe où, moi, Eva seulement que porter et filmer sans bien mettre sa selfie et vous poster ça. Pour que vous sachiez vraiment le trésor que vous avez et qui est caché quelque part qu'on vous trompe. Voilà, la famille. Moi, j'ai assez parlé. C'était juste un welcome back. C'était juste pour vous dire que je suis avec vous. C'était juste pour vous dire que, s'il vous plaît, sachez ce que vous voulez et sachez ce que vous ne voulez pas. Ne vous laissez